chauffer sur Strix Sport Mag. Accrochez-vous. Il y a du lourd qui arrive. Lucas Savaradi, boxeur de la BCD français. Et l'espoir de la boxe anglaise ici en France. Beaucoup de bien de lui. Avec laquelle tu déploies ton déplacement, faut l'associer. Faut pas de temps mort. Voilà. Yeah. Ce centième seconde, c'est lui qui fait la différence. Aussi bien en attaque qu'en sortie. Dans les préparations d'attaque, comment je négocie ma sortie. Voilà. Aide-toi ton appui pour sortir. Hein? Stop and go. Discipline et pas côté. Double pivot. Deux points d'affilée pour te remettre dans l'axe. Il y a la ferrée. Laissez mon fesse. Voilà. Ok. Ce que tu faisais mal hier, je le vois ici aujourd'hui. J'espère que t'as convergé. Hein? Là, t'es pas bien là-dedans. Ça va venir. Mais si, mais il se déplace comme un poids lourd. Non, il doit aller très rapide. Et les gens, il y a des bulles de terre, les gens. Comme ça, c'est vrai. Même si tu rates ta cible, mon fils, faut pas te bloquer. Je vais au fond de mon intention. Je voulais donner une droite, je la donne, même si elle n'est pas carte, la droite. Je m'en fous. Exprime-la. Sors-la. Parce que le temps que tu mets pour redresser ton cou, ça y est, t'es mort. T'es mort en sortie, tu vas te faire cuire. Tu comprends? C'est ça. Faut que tu intègres ça dans ta tête. Ne me dis pas oui avec ta tête. Pour me faire plaisir. Non. Pas de retrait et pas de côté. Maintenant, pas de retrait et double pas de côté. Deux fois, en pivot. Un, je recule. Deux, je tourne. Trois, je tourne. Deux, trois. Pourquoi? Tout simplement, viens voir. Et voilà. Travail, venu. Allez, allez. Allez. Maintenant, enchaîne-toi. Tu vois. Deux fois, tu pivotes. Regarde, tu te retrouves. Non, t'as pas fait ma contrainte. C'est normal quand tu tournes, la deuxième fois tu te retrouves foilé à lui. Si tu recules avant de tourner, tu verras que tu vas être coincé. Mets dans le vent. Et en le mettant dans le vent, c'est toi qui exploites la situation future. La future situation d'attaque. Ok? Pas comme ça. T'écraseras pas un yaourt avec ça. T'as avec ça. Décompose bien. D'accord? Là, je te vois comme ça. Non. Inclinez-moi ton point. On frappe avec les têtes pour que tu mettes la carte. On frappe pas avec l'intérieur du banc. Double crochet.
t'es crispé comme ça, tu ne pourras pas donner. Tu ne vas pas assimiler ce que je te demande. Décontracte-toi. Respire, inspire, expire. Voilà, t'es décontracté. Pas plus une pression négative. Non, c'est un jeu là-bas. C'est juste une bonne récréation. Là, tu te balades normalement. Faut pas t'étendre du jeu. Et là, ça sert à rien. Les fesses serrées, c'est pas bien, mon fils. Décontracte-toi, respire. C'est ça, mon fils. Sors, sors. La rançon de la gloire, c'est quoi? C'est le travail. C'est rien que le travail. À quelle vitesse tu sors? C'est là. C'est ça qui te commande. Hein? La vitesse d'exécution. Quand même, tu prends toute l'information, je sors comment? Et à quelle vitesse? Et c'est ça qui te manque. Il a été piqué par la musique, c'est. D'appeler la droite. Pourquoi d'appeler la droite? Parce que t'as fait un moment. T'as vu la droite? Très vite. Est-ce que t'as vu la droite, mon fils? T'en prends combien? Voilà. Plus tu sors vite, mieux c'est. Voilà. Arrêtez départ. Comme avec qui part sur un 100 mètres. Faut que tu sois explosif. Et n'avance pas sur du percute. C'est ton bras qui avance. Tu projettes ton bras. C'est bien. Même quand tu rates la cible, c'est pas un problème. Ça va venir. Tu restes sur ce tempo. C'est bien. Baisse ton centre de gravité. D'accord. Baisse ton centre de gravité. Là, tu fais ça. Voilà pour moi. Baisse ton centre de gravité. Plus moins vite, moins fort. Voilà, c'est bien. Et refilé au crochet gauche. Sors vraiment, sans te relever. Tu restes sur la même position en bas. Fléchis. Le plus fléchis possible, ça commence à venir, c'est bien. En prochain à la face, tu dois être un peu plus percutant. Remonte en crochet, là. Voilà. Tu dois travailler à cette hauteur. Impressionné, là. Hein? Je suis impressionné par là. Ah ouais, hein? J'ai plus grand. Je ne peux pas mettre tout l'équipement. Encore. Samedi, je suis en France. Il va pas de personne. Ça t'a fait travail là et il est plus proche de lui. C'est bon, ça va. Je crois que je ramène qui je veux. Toutes les semaines, je prends les premiers livres. Ça, c'est une pause café. Hein? Et en sortie, zac, petit jab. Le respect de la distance. Hop, voilà. Allez, respire à fond. Respire. Comme ça que ça, c'est la base à fond. Respire. Tourne autour, tourne, respire. Mais prends-moi tes bras. Je veux pas de la vitesse, je veux de la qualité. L'attention, plus vite que du coup. Respire, continue de tourner. Monsieur Sidi Diallo, secrétaire général de la Fédération Malienne de Football. Vous êtes là pour Monsieur Kassama Radji. Tout à fait. C'est très important pour vous d'être ici là, pour lui, effectivement, aujourd'hui. Important pour un titre. Vous savez, je tiens tout d'abord à remercier Zawari. Donc, permettez-moi, au nom de la Fédération Malienne de Boxe,
au nom de l'ensemble du peuple malien, de rendre un droit au moins à ce grand Africain qui a fait des heureux, qui a fait des champions à travers le monde. Effectivement, je suis là pour Kassa Baradi. Parce que Kassa Baradi, c'est un jeune qu'on a eu à détecter il y a 3 ans. Il a participé au championnat du Mali. On a jugé nécessaire de venir voir, rencontrer ce monsieur, voir dans quelles conditions il s'entraîne. Parce que très honnêtement, nous fondons tout un peu profond un espoir sur ce jeune aujourd'hui. C'est une chance de médaille pour le Mali. C'est pourquoi la Fédération malienne de boxe a jugé nécessaire de m'envoyer en France aujourd'hui pour venir rencontrer ce jeune pour le travail. Chance de médaille, comme vous avez dit, pour le Mali, donc c'est une chose importante pour le peuple malien, pour le peuple africain. Et, c'est la première fois que ça arrive, c'est rare de voir se déplacer pour un boxeur ici. C'est rare. Vous savez, nous sommes un bureau qui s'est fixé 4 objectifs principaux. À savoir, le premier objectif, c'est de faire un cri de cœur vers les Maliens de la diaspora. C'est d'aller voir les Maliens de la diaspora. Aujourd'hui, c'est des chances formidables de médailles. Vous savez, ils ne sont pas au Mali, ils ne sont pas en Afrique, ils sont en Europe, un peu partout. C'est d'aller les rencontrer, de voir dans quelle mesure, puisqu'ils ont décidé de boxer pour la couleur du pays, pour la couleur nationale. Donc c'est aujourd'hui une opportunité pour nous de recenser ces Maliens, de faire d'eux des futurs champions. Voilà l'objectif de notre visite. Pourtant, ça nous tient à cœur. D'abord, nous sommes là effectivement pour voir ce jeune et nous comptons organiser dans un avenir très proche un garant international de boxe qui va regrouper aussi bien les Maliens de la diaspora que les Maliens du Mali, les champions du Mali qui auront l'occasion, la chance de mesurer leur talent technique aux autres Maliens de la diaspora. Donc, nous sommes en train de préparer à bras-le-corps ce gala international. Inch'Allah, Kassa Baradi sera de la fête. D'autres boxeurs également, Maliens de la diaspora, qu'on aille à détecter ici, seront également de la fête. Donc, j'avoue qu'encore une fois de plus, que nous comptons beaucoup sur ce jeune Malien. Il sera d'ailleurs le représentant officiel du Mali lors des éliminatoires, non seulement de la Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique qualificative aussi pour les JO. Du Brésil, pourquoi pas. Nous fondons énormément de force, énormément d'espoir sur ce jeune Kassa Baradi. Il court quoi? Il y a beaucoup de boxeurs amateurs, ça touche et ça court. Ouais. Lui, c'est un boxeur précis, qui ne gaspille pas son énergie, il frappe bien, il touche bien. C'est pour ça que ça fait peut-être 3 ans qu'il boxe. C'est extraordinaire. Franchement. Vous savez, donc tout le mérite revient à M. Wari Amri, comme je l'ai dit. Et nous sommes en contact avec d'autres fédérations de la sous-région. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure développer la boxe professionnelle. Inch'Allah, nous allons aider Kassa à être un futur pro. Ok, avec votre bénédiction. Et je vous remercie. Que Dieu nous aide pour que ce jeune-là puisse apporter la toute première médaille olympique au Mali. Je vous remercie.
gars, mon fils, je suis content de toi. Très bien, fils. C'est continué. Je me sens toujours jeune et j'ai encore envie de m'entraîner. J'ai toujours la joie de l'un qui nous a déclaré. Jean-Baptiste l'a dit hier à la mort de la PD. Présenter Kassa, qu'on puisse savoir exactement qui tu es, d'où tu viens. Et puis je m'appelle Kassa Baradji, je viens de Nancy. Ça fait trois ans que je boxe. Dont la première année, j'ai pas mal boxé, j'ai fait 18 combats. La deuxième année, c'était l'année cauchemar. Et là, je viens de commencer la troisième année de boxe et en espérant qu'on va bien commencer. On va bien partir parce que dans la deuxième année, l'entraîneur était tombé malade, donc on n'a pas fait de combat. C'était une année fantôme et il s'est rien passé. Quand même, tu peux dire le ton palmarès parce que les gens ne le savent peut-être pas. Donc j'ai 18 combats et 3 défaites, exactement. Donc au Mali, je fais les championnats du Mali. J'ai fait 3 combats, j'ai fait 2 arrêts d'arbitre et une défaite dans la finale dont j'ai été volé. Ouais, voilà, c'est la boxe, ça fait comme ça. Donc, Kassa, en plus, on dit que t'as pas un style amateur, t'as un style pro. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu passes pro. Ouais, sûrement, ouais. T'as des défaites en finale, Coupe de France. Exactement. Où on dit que t'as un style pro professionnel et on préférait privilégier un boxeur amateur plutôt qu'un mec qui a un style pro, c'est ça? Exactement. T'as 21 ans, Kassa, tu passes pro, c'est un peu jeune ou c'est juste que
C'est juste parce que, en fin de compte, ton niveau fait que tu dois passer pro. Parce qu'en France, c'est rare de voir un jeune à 21 ans passer professionnel. Non, parce que moi, j'ai plus un style de boxe de pro. Et surtout, il faut être majeur pour être professionnel. Et avant ça, en France, c'est interdit de passer professionnel. Et je suis plus basé sur la boxe pro. Ah, bah, moi, c'est clair. On attend que tu ramènes une ceinture, nous on sera là de toute façon, on va te soutenir en espérant que tu aies toutes les ceintures. Et c'est vrai qu'on t'a vu t'entraîner, on t'a vu, j'imagine quelques combats, c'est vraiment un style, il n'a rien à voir en amateur et pro, je pense qu'en pro tu vas faire très très mal. Ton objectif à l'heure actuelle? Mon objectif à l'heure actuelle c'est toutes les ceintures. Toutes les ceintures, toutes les compétitions que je peux arracher, j'irai. Donc vous avez entendu, Kassab Haradji arrive. Quelle catégorie qu'a ça? Je suis catégorie pour moyen. 3 ans de boxe quand même, mais tu faisais quoi avant de boxer? Est-ce que c'est quelque chose qui était inné ou tu es venu à la boxe par hasard ou par autre chose? Non, surtout avant j'étais footballeur. Mon rêve c'était d'être footballeur comme tout le monde. Et malheureusement j'ai eu une rupture du tendon rotulien. Et après cela, je suis venu ici à la salle de boxe de Drancy. J'ai rencontré Wari et qui a accepté de me prendre. Et il a vu un bel avenir pour moi. Et pour l'instant, il ne se trompe pas. Mais qu'est-ce qui t'a amené à venir ici dans ce team ici avec Wari Emery? Donc tout d'abord pour commencer, j'ai commencé dans une petite salle dans le quartier, une salle de sport. Et dans la salle de sport, il y avait un entraîneur qui s'appelait Spi, Patrick, qui m'a donné un goût à la boxe. Et après, par la suite, j'ai rencontré Manu qui m'a présenté Wari, qui connaissait bien Wari, qui venait d'ouvrir une salle ici dans le quartier. Et je suis parti voir Wari et Wari m'a pu lâcher les pieds. Il veut tout prendre, nous on croit en lui. Et je peux vous dire que là-dedans, vous avez soulevé ses gants, ils sont super lourds. C'est du lourd qu'il envoie et c'est du lourd qui arrive. Tournez bien ce nom-là, Kassab Haradji, ici à Drancy, et bientôt chez vous. Donc il était Kassab Haradji, tranquille frère. Voilà, on est venu pour la street, on est venu pour lui. Suivez-le, venez le voir, faites du bruit pour lui parce qu'il ne va pas vous décevoir. Futur champion, et on sera là pour la ceinture mondiale pour la France contre Mali. Et là, il représente sa malien, les gars. Il représente. Il est là, pur souffle, bon tchèpe. Voilà.